Jack! Jack, tu viens de taper une mousse? On va toucher Poppy's? Non, désolé. Bah quoi, tu abandonnes tes potes? Non, ce qu'il y a, c'est que je suis pris. C'est ma soirée entre hommes avec mon fils. Ah. C'est toi qui l'as envoyé dans les choux. Tu es plus près, toi. Allez, va la chercher. Hé, monsieur, vous pouvez me lancer la balle, s'il vous plaît? Tiens, voilà. Merci. Mais de rien. Contente que tu sois à la maison. Je t'adore. Je t'adore encore plus. Ah, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? On a des steaks et des patates. Bon, j'y vais. C'est gentil. Danny, quand tu auras fini, viens m'aider à mettre la table, s'il te plaît. Est-ce que je peux vous aider? Vous êtes Jack Bishop? Oui, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous? Michael Lane. Tu vas là. Il y a l'affaire Martinez contre les stupes à régler. Le juge a demandé à me voir. De toute façon, l'accusation est réduite au simple délit, non? Faux. J'ai les résultats du labo, il y avait plus de 500 mg. Et alors? Je connais au moins trois procureurs qui ont pris plus de coke que ça à ma soirée d'adieu, mon vieux. Et ils ont tous été promus, pas condamnés. Je demanderai une lourde peine avec période probatoire. C'est un délit, pas un crime, Mitchell. Tu ne m'auras pas. Monsieur le juge, vous vouliez me voir? Oui, merci d'être venu si vite. Vous connaissez bien sûr notre procureur, M. Broderick. Je suis en colère contre vous, OMG. Contre vous et votre grand-père. Vraiment? Nous sommes vos deux plus grands admirateurs, c'est l'affaire William, c'est ça? Je regrette que cette vieille crapule vous ait convaincu de quitter notre bureau. Oubliez ces histoires d'arbres généalogiques. Vous savez bien que vous êtes un procureur né. Bon, assez de rondes jambes, je vous en prie. Asseyez-vous. Mademoiselle Preston, je crois savoir que votre cabinet s'occupe d'affaires d'homicide depuis ses débuts, n'est-ce pas? En effet. Et si je ne me trompe pas, cela fait déjà un certain temps que vous n'avez pas plaidé. Ah bon? Laissez-moi vérifier. Aucune importance. J'aimerais que votre cabinet se charge de cette affaire.
C'est un dossier très sensible et vous autres, les Preston, êtes connus pour votre sensibilité. Allez le voir, vous et votre grand-père. Nous voulons un procès équitable. Je n'arrive pas à croire qu'il nous confie cette affaire. Ce type-là, Lane, il a pris une arme comme un tueur professionnel et il a abattu un homme comme ça, de sang-froid. C'est un brillant résumé, MJ. Pour les méchants. On est les bons, nous. Grand-père, pendant 3 ans, j'ai été procureur. Et tu étais très doué. Et je me suis portée partie civile dans plus de 1000 affaires. Tu sais combien il y a eu d'innocents, maximum 12. Donc si Lane est coupable, il ne nous mérite pas. C'est ça ta position? Non, tout accusé a le droit d'être défendu, mais nous sommes obligés de nous en charger, là. Donc une personne peut être trop horrible, trop vile, trop coupable pour que les Preston daignent le défendre. Oui, c'est exact. Je pense qu'il faudrait établir certaines limites. Elles ont déjà été établies, ça s'appelle la présomption d'innocence. Mais Michael Lane a déjà admis l'avoir assassiné. Alors on devrait laisser l'accusation l'enfermer et jeter la clé, c'est ça? Oh. Tu sais ce que ton oncle Don dirait? Oui, oui, je le sais. J'aimerais bien le mettre sur cette affaire. Mais, grand-père, il a goûté à la réalité une fois et ça ne lui a pas plu. Chacun de vous est unique par son caractère, sa passion, et même mon ami Schumann, hein? Mais n'oubliez pas cette passion en entrant dans le tribunal. Servez-vous-en pour vous et votre client. Par exemple, votre honneur... Monsieur Preston. Je vous écoute. N'est-il pas exact que parfois la passion est insuffisante? Prenez l'affaire Cheryl Rose, par exemple. Non, vous prenez-la. Une fois, ça m'a suffi. Je vous avais trouvé remarquable. Oui. Le verdict aurait dû être en votre faveur. Je vous remercie, Schumann. Je vais enfin pouvoir fermer l'œil. Voyez-vous, aucun jury n'est facile, parce qu'il nous reflète, nous, et la société où nous vivons. Demandez-vous... quelles sont les valeurs que nous cherchons à protéger et comment la loi et notre système de jugement par jury les reflètent. Bon, la semaine prochaine, je veux vous exposer des faits et vous feriez bien de les peaufiner. Merci d'être venu. Papa, tout ce qu'il te suffit de faire, c'est de me donner l'heure et l'endroit. Ils te font un carton d'invitation, maintenant? Tu sais, pour un avocat, tu as une mauvaise mémoire. Tu y penses encore? Oublie tout ça. C'est pas toi qui as perdu l'affaire Cheryl Rose, c'est nous. C'était un travail d'équipe. Tu as vu mes erreurs? Tu me les as montrées? Peut-être aurais-je dû tenir ma langue. Pour m'épargner? Peut-être me suis-je montré trop dur. Le problème, c'est que j'ai horreur de perdre. Moi aussi, figure-toi. Je suis devenu avocat parce que tu l'étais. J'ai repris la boutique familiale. Mais tu enseignes à présent. Et j'adore ça. Ça me plaît beaucoup. Mais Ken... lui, c'était un vrai plaisir de le voir devant un jury. Il était même meilleur que toi, peut-être. Oh. Tu te défends pas trop mal non plus. À toi de jouer. Non, c'est à toi. C'est une affaire délicate. J'ai besoin de toi. Monsieur Lane... asseyez-vous, je vous prie. Je m'appelle Donald Preston, je suis avocat. Qui vous envoie? Non, personne ne m'envoie où que ce soit. Monsieur Lane, je suis là parce que je le veux bien. Vous perdez votre temps. Faites-moi plaisir, d'accord? Laissez-moi vous dire au moins de quoi on vous accuse. La partie civile a établi qu'hier à 18h15 devant le numéro 351 de la 95e rue... vous avez tué Jack Bishop à coups de revolver. Pour quelle raison? Jack Bishop était un monstre. Pourquoi dites-vous ça? Parce que je le connaissais bien. Monsieur Lane, vous êtes tombé sur un procureur féroce. Il va vouloir vous emprisonner à perpétuité. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Votre vie n'a pas d'importance? Vous perdez votre temps, je vous dis. C'est un cas désespéré.
Aucun cas n'est désespéré au regard de la loi, Monsieur Lane. La loi? Mais c'est la loi qui a tout gâché dès le début, justement. Alors prenez votre précieuse loi, Monsieur Preston, et mettez-vous là où je pense. Avez-vous le moindre remords? Ah oui, des tas. Je regrette maintenant de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pourquoi avez-vous tué Jack Bishop? Il faut vous confier à moi, Monsieur Lane. Tout ce que nous disons ici est confidentiel. J'en ai rien à foutre, moi, de Jack Bishop, du procureur ou du juge. Je veux que vous obteniez justice. Mais avant, vous devez tout me dire à propos de ce crime. Un crime? De ce crime? Vous voulez que je vous parle de ce crime? Je vais vous en parler du crime, moi, il y a 7 ans. Jack Bishop a violé ma fille Tracy. Elle avait 8 ans à l'époque. Elle était belle comme un cœur et il l'a violée, il l'a sodomisée. Il a détruit sa vie. Vous deviez le tuer? Je n'avais pas le choix. Vous vouliez que j'obtienne justice, Monsieur Preston? Eh bien, rassurez-vous, la justice a été rendue. Jack Bishop est mort. Mais si Lane ne veut pas être défendu, pourquoi devons-nous le forcer à prendre un avocat? Je vais te dire pourquoi. Il a une fille de 15 ans dont la vie est un enfer. Elle est complètement enfermée. Elle refuse de parler au psy. Elle est totalement larguée à l'école. En revanche, depuis l'âge de 11 ans, elle couche avec tout le monde et n'importe qui. Elle a fréquenté tous les hôpitaux psychiatriques d'ici à Poughkeepsie. Mais est-ce que Jack Bishop n'avait pas purgé une peine pour ça? Si, mais justement c'est là où le bât blesse. Avec Tracy Lane, c'était la deuxième fois qu'il était arrêté pour agression sexuelle. La première fois, il avait été acquitté sur un point de procédure. Pour Tracy, le procureur a eu peur que la petite ne tienne pas la distance. Alors, ils ont passé un accord? Ah, oui. Et tes copains du bureau du procureur en ont pondu un vraiment écœurant. Rien que pour le viol, il risquait jusqu'à 25 ans ferme. Mais ils l'ont laissé plaider le délit mineur. Et 6 ans plus tard, il revient dans le même quartier où il habitait avant. Dans le même quartier. D'accord, c'est nul, mais la loi est toujours la loi. Et Michael Lane n'est toujours qu'un vulgaire assassin, non? Je ne pense pas que ce soit si simple que ça. Nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants de cette affaire. Peut-être que c'est plus compliqué. Et si ça ne l'était pas? Eh bien, dans ce cas, le jury le condamnera rapidement, il passera le reste de sa vie en tôle et tu me diras, je te l'avais bien dit. Ça te va? Non, ne me parle pas comme à une de tes étudiantes, d'accord? Parce que je n'en suis pas sûre. Ne te comporte pas. Du calme. Alors, vous avez tout à fait le droit de vous chamailler et de vous conduire comme des enfants. C'est une des prérogatives de la famille. Mais ce n'est ni l'heure, ni l'endroit. Notre client est sur le point d'être inculpé. Écoute, je ne veux pas causer de problème, là. Je t'ai demandé de te joindre à nous parce qu'on a besoin de tes talents et de ta passion. MJ, tu es là parce que je pense que tu peux devenir une très bonne, voire brillante avocate. Il se trouve, par hasard, que vous avez des liens de parenté. J'espère, et Michael Lane l'espère aussi, que cet état de fait ne nous nuira pas. Sa famille a besoin de notre famille. Compris? Oui. Allons-y. Butchou. Ah, Monsieur Broderick. Salut, vieille branche. Eh, on joue enfin dans la cour des grands, hein? Le chef suprême du bureau des homicides n'a donc rien de mieux à faire. Et si on parlait un peu de toi, professeur? Qu'est-ce que tu fais là, hein? Tu organises un voyage d'études pour tes potaches? Non, je viens pour toi, tu es mon héros. Je... Affaire suivante. Veuillez reculer. Michael Lane, levez-vous. Michael Lane, levez-vous, s'il vous plaît. Michael Lane, affaire numéro 97NO7212. Accusé de meurtre au second degré et de possession illégale d'armes à feu. Parti en présence? Procureur Vincent Broderick, représenté par son assistant John Jackson. Et Preston, Preston et Preston pour la défense. Vous renoncez à la lecture des faits? Nous y renonçons, la défense plaide non coupable. Quoi? Non, 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 il n'en est pas question. Enfin, je vous en prie. Non, écoutez, je m'en fiche de toute façon, madame le juge, je l'ai tué. Je suis ravi de l'avoir tué. Silence! Monsieur Lane, j'inscris que vous plaidez non coupable, point final, et c'est comme ça que le système justement, fonctionne. Justement, le système fonctionne pas, c'est pour ça que j'ai tué ça. Maître Preston, contrôlez votre client. Et puis-je avoir un moment, votre honneur? Prenez votre temps. Regardez-la. Cette jeune femme note tout ce que vous dites. Et je vous assure que ce sera utilisé contre vous. Je m'en fiche. Pas moi, figurez-vous. Et si je dois vous représenter, on le fera à ma façon. Oui, bah peut-être que je n'ai pas besoin d'un avocat, hein. Oh, mais croyez-moi, monsieur Lane, il vous en faut un. Un excellent avocat, même. Mais si vous n'en voulez pas, parfait. Je suis content de l'avoir tué. Et je vous comprends. Mais voulez-vous que je vous représente, oui ou non? C'est le moment de choisir, monsieur Lane.
Vous voulez disparaître dans le néant pour le restant de vos jours, ou vous voulez prendre la parole et vous défendre? Maître Preston. Un moment, votre honneur, parce que sinon, il fallait vous mettre une balle dans la tête quand vous en avez eu l'occasion, quand vous étiez dans la rue, avec ce flingue à la main! Oui ou non, monsieur Lane? Votre honneur, mon client vient juste de m'autoriser à plaider non coupable. En ce qui concerne la caution, ne vous fatiguez pas, maître Jackson, une caution est hors de question. L'accusé devra rester en détention provisoire à la prison de Manhattan. Affaire suivante. Justement, je te cherchais. Je croyais que t'es toujours au régime. Perdu. Surtout, le dis pas à ma femme. Je t'invite. Je paie. Et que me vaut cet insigne honneur? Tu acceptes l'affaire? Tiens. Prends-en un autre pour la route. Non, merci. Je suis ébloui de la vitesse à laquelle toi et ton client avez établi de si bons rapports. Mais ça risque d'être mon ex-client, autrement on voit les choses. Mais comment ça? Tu étais là, il ne veut pas d'avocat. Si tu veux plaider la folie, on te suivra. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce qu'on est frères de barreaux. Parce que notre matière première est là. Non, merci. Je suis sûr qu'il n'acceptera jamais de dire qu'il est devenu fou. Dans le cas contraire, tous les psychiatres prouveraient qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Michael Lane est vraiment indéfendable. C'est pour ça qu'il a besoin de toi, professeur. Regarde, maman! Regarde, t'as vu comme il dribble bien? Oui, maintenant, vas-y, tire. Et il tire et il marque! Ouais! Excusez-moi, bonjour. Vous êtes Julie Bishop? Oui. Je suis Don Preston. Enchantée. Mon associé, Mary-Jane Preston. Nous sommes avocats de la défense pour Michael Lane. Navré pour ce qui vous est arrivé. Si vous étiez vraiment navré, vous n'auriez pas accepté de le défendre. Je comprends tout à fait vos sentiments, Madame Bishop. Mais ça ne prendra qu'une seconde. Quand votre époux est finalement sorti de prison, pourquoi avez-vous décidé de rester dans le même quartier où vous viviez avant? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Vous devriez avoir honte tous les deux. Michael Lane a abattu mon mari comme un chien enragé. Et vous avez le culot de débarquer ici et de me poser vos petites questions. Nous voulons seulement vous parler de votre mari. Et si on parlait de Michael Lane, comment pouvez-vous défendre ce salopard? Est-ce que votre mari n'avait pas un avocat quand il a été accusé de viol sur mineur? Il a plaidé coupable. Il est allé en prison. Il a suivi un traitement. Et vous l'avez soutenu? Vous auriez pu partir. Nous avons un fils. Don, allons-nous-en, ça ne nous mènera nulle part. Non, attends. Hé, maman, viens voir, je vais faire un super panier. Regarde. Je te regarde, je te regarde. Attention. Madame Bishop, c'est Danny, c'est ça? Oui, c'est mon fils. Que croyez-vous que votre mari aurait fait si Michael Lane avait violé Danny ici? Non. S'il avait vu votre fils et... Taisez-vous. Votre mari aurait voulu le tuer, n'est-ce pas? La question qu'il faut vous poser, c'est pourquoi Michael Lane a fait une chose si horrible, c'est tout. Madame Bishop, la fille de mon client a été violée par votre époux. Elle en subit encore les conséquences aujourd'hui. Mon époux avait payé sa dette à la société et il avait changé. Aujourd'hui, il est mort abattu par votre client. Vous venez fouiner, alors regardez, Danny. Et demandez-vous ce que cette pourriture lui a fait. Tu as eu chaud. Si elle avait eu une arme, elle t'aurait descendu. Oui, tu as raison. Je vais avoir besoin d'un coup de main. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait te faire soigner. Récupère tout ce que le procureur a découvert et tout ce qui pourra nous servir. Je veux le maximum d'infos. Regarde ce gosse. Quel genre de vie il va avoir, hein, grâce à notre client. Notre client a une fille qui est en bien plus mauvais état que ce gosse. Bon, d'accord. Lane a souffert aussi. Nous souffrons tous. La vie est injuste. Mais ce qu'il a fait, c'est barbare. C'est œil pour œil, dent pour dent. Je suis désolée, je suis contre Don. Et maintenant, je suis censée le défendre, chic. Oui, c'est notre métier. On défend les Michael Lane et c'est oh, tout. Oh non, épargne-moi le quart d'heure du professeur, je t'en prie. Écoute, notre client va devoir se battre pour sa vie. Et tu ne trouves pas qu'il aurait dû y penser plus tôt, non? Il en était incapable. Et du coup, il a tué. Peut-être que tu devrais retravailler comme procureur, en fin de compte. Parce que ce dont notre client a besoin, c'est qu'on se plie en quatre pour lui, MJ. Oh, heureusement que tu es là, avec ton armure étincelante et ton épée. Bon, je te rappelle que je n'ai pas demandé à être là. C'est vrai, papa m'a appelé. Je suis venu. Oh, je t'en prie.
Tu essaies de me faire croire que tu es là à cause de grand-père. Pour la famille. Non, si tu es là, c'est uniquement à cause de Cheryl Rose, avoue-le. Cheryl Rose va croupir à Bedford Hills, sans doute jusqu'au milieu du 21e siècle. Et toi, tu te dis que c'est là l'occasion d'effacer l'ardoise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis navré? Tu veux que je te dise j'aurais voulu faire mieux? Quoi? Qu'est-ce que tu me demandes? Hein? Je ne sais pas ce que je veux. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Cette affaire, ce meurtre, Michael Lane, je crois que je n'arriverai pas à le défendre. Tu n'as pas d'enfant, MJ. Tu ignores ce que c'est que t'en perdras. Oui, en revanche, je sais très bien ce que c'est que de perdre un père beaucoup trop tôt. Ouais. Ouais. Tu sais, Ken était mon frère aussi. Oui, mais tu aurais dû insister. Tu aurais dû me dire, ne t'approche plus de ta famille, ils sont tous dingues. Mais c'est ta famille. Mais mon père, je l'adore, bien sûr. Mais il surveille toujours tout, rien n'a changé. Et MJ, MJ, elle me rend barjot, elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne suit pas la politique familiale à la lettre? Non, parce qu'elle a une prise de position morale et que ça se fait pas chez les avocats. C'est malin, on a une conversation intelligente, là. Ah ouais, tu trouves? Tu viens pourtant de dire qu'elle te rendait barjot. C'est vrai, parce qu'elle estime qu'on défend le genre de philosophie du œil pour œil. Et c'est pas le cas? Non. Non, parce que sinon, ils seraient obligés de dire que leur client n'aurait pas dû tuer Bishop, mais seulement le violer et le sodomiser. Je te rappelle que ta sœur est là, Steven. Bon, je sais ce que violer veut dire, maman. Ah ouais? Et la sodomie? Steven! La sodomie? Mais qu'est-ce que tu sais de la sodomie? Tu peux me les plaire, au moins? Chérie, hein? Je t'en prie. Preston Pizza? Je vous écoute. Excuse-moi, je te taquine. Tu m'en veux pas trop, j'espère. Si, à mort. Papa, c'est pour toi. Allô? Mange. Maintenant? D'accord. J'arrive tout de suite. Tout va bien? J'en sais rien. Mais où tu vas? Il faut que j'aille à la prison. Maintenant? Maintenant. Tu sais, ça me fait vraiment bizarre de négocier avec toi. Oui, c'est parce que je vois tout de suite quand tu bluffes. Tu demandes une lourde peine avec période probatoire, alors que je sais que l'inculpation est déjà réduite à délit mineur. Tu penses toujours comme un procureur, MJ. T'aurais jamais dû quitter le bureau. Pourquoi? Il te faut un pigeon pour assurer ton calendrier au palais les week-ends? Oui, et je ne te vois pas en mercenaire, travaillant pour... des assassins. Vas-y, dis-le, Mitchell. Oui, des assassins. Je croyais pas que tu céderais à la pression familiale. La pression familiale, mon œil. J'ai toujours rêvé de travailler pour ce cabinet un jour. Ah, c'est dommage, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un poste bien juteux à pourvoir chez nous bientôt. Ah oui? Dans quel bureau? Aux homicides. Et Broderick cite ton nom en permanence. Mon nom? Oui, mais étant donné que tu es tellement heureuse du côté des traîtres, ce cher Broderick va devoir trouver quelqu'un d'autre. Oui. Faut croire. Hey, MJ. Oui? Travaille ton impassibilité. Bonne nuit, Mitchell. Monsieur Lane, vous voulez me voir alors? Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a écrit une lettre. Qui? Tracy, ma petite fille. Elle m'a écrit, tenez, lisez. Elle vous adore. J'ai besoin de vous. Bonjour, Suzanne. Grand-père? Oui? Tu as une minute? Oui. Si quelqu'un abattait un de tes fils, qu'est-ce que tu ferais?
Tu me demandes si je voudrais le tuer. La réponse est oui, bien sûr. Oui, mais tu ne le ferais pas, n'est-ce pas? Tu ne tuerais pas quelqu'un comme ça? Non, mais je ne me fais pas d'illusions sur mes sentiments. MJ, pourquoi as-tu quitté le bureau du procureur pour rejoindre notre cabinet? Parce que papa aurait voulu que je le fasse et pour être avec toi. Il faut que tu sois là parce que tu crois au métier de défenseur, tout comme lui. Mais j'y crois. Au fond de ton cœur, tu as un cœur tellement bon, généreux, idéaliste, ma chérie. Tu es révoltée par l'injustice, et c'est bien. Mais tu dois décider quelle injustice tu veux combattre. Michael Lane joue sa vie dans cette affaire. Je sais. T'appartient. Il y a toute la paperasse, le 61, le DD5, le rapport d'autopsie. Il y a aussi tous les calepins, les vidéos et les photos trouvées dans l'appartement de Lane. C'est uniquement parce que j'étais dans la même fraternité que ton oncle que je fais ça. Oh, quand les gars de la fac se serrent les coudes. Bon, abrège, tu sais quelque chose sur l'arme ou est-ce qu'il te faut la poignée de main secrète et le nom du chien du fondateur de la fraternité? D'après le rapport, elle a été volée en 94, on interroge les revendeurs. Et pour la folie passagère, est-ce que le professeur a fait quelques progrès? On tiendra au courant. Oui, une seconde. MJ. Est-ce que Don t'a donné le nom du chien? MJ. Certain, mais ce n'est pas ton anniversaire, ma chérie. C'est celui de Tracy. Tu pourras les souffler quand ce sera le tien. Et juste dans 3 mois. On aurait dû faire ça dans la cuisine, comme je l'avais proposé ce matin. Allez, attention, tu es prête? Tu es prête à souffler? Non, tiens, souffle le briquet. Tu es prête? Et on souffle fort. Joyeux anniversaire, Tracy. Oui, allô? Don, CMJ, écoute, je piochais dans ce qu'ils ont trouvé chez Lane et... Mais tu rigoles, il est 11h30, la journée a été longue, ça peut attendre, non? Pas si je suis censée t'apporter le maximum d'infos, je crois que j'ai mis le doigt sur quelque chose de bizarre. Mais de quoi tu veux parler? La femme de Lane est morte, non? Oui. Et il y a 12 ans déjà, d'un cancer. Est-ce qu'il a une seconde fille? Quoi? Une seconde fille? Eh ben, j'ai une vidéo de famille, là, et on dirait bien qu'il a une autre fille. Est-ce qu'il t'en a déjà parlé? Non, jamais. Bonjour, je viens voir Tracy Lane. Il me faut votre nom, votre adresse et une pièce d'identité. Et une signature. Je m'appelle Mary Jane Preston, je suis avocate. Ah oui, je vous attendais. Je travaille pour votre père. Je sais. Il m'a écrit. Vous voulez lire sa lettre? Non, je crois que ça ne me regarde pas. Merci.
été forcée de faire quelque chose de mal. Et il dit aussi que je devrais essayer de ne pas penser à ça. Ni penser à lui. Mais j'y pense, bien sûr. Je pense à plein de choses. Des choses mauvaises. Il dit que je devrais essayer de prendre soin de moi. D'aller mieux. Et votre père, il vous aime? Oui. Oui, très fort. Tous les pères du monde le font. Ils aiment leurs filles. Avant, je lui écrivais des super histoires. Elles étaient super. C'est vrai. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un magnifique château. Mais personne ne pouvait y entrer. Alors, est-ce que vous vouliez me demander quelque chose ou... Oh, je voulais seulement vous voir. Je croyais que vous aviez peut-être des questions. Pourquoi vous êtes là? Vous avez une sœur? Bien sûr que oui. Oh. Vous êtes ma sœur, vous? Et elle, c'est ma sœur aussi? On est toutes des sœurs, n'est-ce pas? Bonjour. Bon, eh bien, comme d'habitude. Tenez, merci. Merci. Je te cherchais justement. Miam, miam. Ah, désolé, j'ai pas le temps de manger. Je dois retourner au tombeau. Tu as révélé le nom du chien à ta nièce? Quel chien? Oh, on n'y pense plus. Mais toujours pas de nouvelles de ta stratégie psychiatrique. Qu'est-ce que t'attends? Rien du tout. Tu as vu tout le matériel que j'ai confié à MJ? Pas encore. Mais pourquoi tu nous le donnes si tôt et sans te faire tirer l'oreille? Ah, c'est parce que je suis gentil? Non, c'est faux, John. John, on se connaît déjà depuis une sacrée paye. Et pour un procureur, je te respecterai presque. Mais pour l'instant, je me dis pourquoi est-ce qu'il insiste tellement pour que je décide de plaider la folie passagère? J'ai vu les photos de ce que Bishop a fait à Tracy et j'ai une fille aussi. Oh, je t'en prie. C'est vrai, s'il peut bénéficier de toutes les ficelles judiciaires, je retirerai mon inculpation d'homicide et je dormirai mieux quand j'aurai gagné. Car je vais gagner, Don. Salut, vieille branche. Comment saviez-vous que Jack Bishop était de retour dans le quartier? Par la loi Meegan. Sur les agressions sexuelles, comme je savais qu'il avait presque purgé sa peine, j'ai appelé les flics. Ils savaient où il irait habiter. Et vous étiez hors de vous? Ça paraît logique, non? Écoutez, j'essaie d'établir une stratégie de défense plaidant la folie passagère, mais vous avez refusé de voir les psychiatres 3 fois de suite. Et combien de fois faudra-t-il que je vous dise encore que j'avais toute ma tête? Ce genre de défense ne vous intéresse pas? Ah, non, ça ne m'intéresse pas. Non. Tout ce que je veux dire, c'est que la loi peut travailler dans votre sens. Je ne vois vraiment pas comment. Si je gagne, je finirai enfermé dans un hôpital psychiatrique pour le restant de mes jours. Je vous le répète, je n'étais pas cinglé. Mais peut-être que vous l'étiez aux yeux de la loi. La loi, c'est n'importe quoi. Mais parfois les gens commettent des horreurs, des choses atroces, et la loi est là pour nettoyer toute la merde. Vous avez une fille, Monsieur Preston? Oui. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Kelly. Imaginez votre Kelly, se réveillant en plein milieu de la nuit, toutes les nuits en hurlant. Et vous, la serrant dans vos bras, mais sans pouvoir la réconforter. Imaginez votre bébé, la prunelle de vos yeux, disparaissant des jours et réémergeant dans la chambre pouilleuse d'un hôtel minable. C'est ça, la merde. Et la loi n'a rien à nettoyer. Tout ce qu'elle nous donne, c'est Jack Bishop, qui magouille pour sortir de tôle, qui redéboule dans le même immeuble, juste sous mon nez, nom de Dieu. Mais elle pourrait vous sauver, vous et votre famille. Quelle famille?
vous oubliez votre fille aînée, Monsieur Lane. De quoi parlez-vous? Votre seconde fille, où est-elle? Je n'en sais rien. Désolé pour le retard. Asseyez-vous, Maître Preston, et ne me parlez pas des embouteillages, je ne suis pas d'humeur. Je ne m'abaisserai jamais à ce point, votre honneur. Oh, que si. Salut, John. Qu'est-ce que vous en pensez? On prend rendez-vous pour samedi, alors. Votre honneur, c'est bien ce que nous pensions faire, mais malheureusement... L'accusé refuse de se faire examiner par les psychiatres de la partie civile, votre honneur. Est-ce exact, Maître Preston? Laine ne veut pas de ce genre de défense? Ce n'est pas une question de pure forme, Monsieur Preston. Étant donné le secret sur les relations avocat-client, c'en est une. Alors peut-être qu'il est trop cinglé pour plaider la folie. Ça vous va, 7h30? Je vous assure que c'est une perte de temps complète. Il est mentalement apte à être jugé. Alors je serai donc obligé de rejeter toute stratégie de défense psychiatrique. Dans ce cas, John, je me disais que si j'arrivais à convaincre Lane, tu pourrais peut-être l'inculper pour homicide seulement. Possible, il faudrait que je voie ça avec le procureur. Si Broderick est partant, je crois qu'on peut négocier. Une minute, une petite minute. Pas de ça dans mon tribunal. Franchement, vous me prenez pour qui? Un marchand de voitures d'occasion? Pas du tout. Non, je crois que vous êtes quelqu'un qui veut que justice soit rendue dans cette affaire. Mais je me contrefiche de ce que vous croyez, vous et M. Broderick. Il n'y aura pas de marchandage dans ce procès. Je vous en prie, Jack Bishop a décroché un arrangement plus que satisfaisant il y a 7 ans dans ce même bâtiment pour le viol de la fille de Lane. Vous trouvez ça normal? Vous savez très bien que je n'ai pas jugé l'affaire Bishop. Mais je ne dis pas le contraire. Si Jack Bishop n'avait pas décroché cet arrangement il y a 7 ans, peut-être que nous ne serions pas ici aujourd'hui. Mais si votre client est reconnu coupable, Maître Preston, il devra répondre de tous les chefs d'inculpation. Et il écopera de combien? De ce que mérite un meurtre, pas un jour de plus ni de moins. Si vous avez quelque chose à dire, Maître Preston, dites-le. Pas aujourd'hui, votre honneur. Alors soyez prêt à sélectionner le jury demain. L'audience s'ouvrira à 10h, à moins que vous n'ayez encore un cours à donner. Tente-toi seulement de trouver 12 personnes impartiales. Je ne cherche pas des personnes impartiales, papa. Je veux des jurés qui pencheront de mon côté dès le début. Mais comme Charles Bronson ou l'inspecteur Harry. Oh, je parie que John a un droit de préemption sur Clint. Et il se servira de Bronson comme modèle. Je dois trouver des personnes comme ça, qui ont été des victimes, qui se sont rebellées ou qui auraient voulu le faire. Des mères avec des jeunes enfants, peut-être. Des pères qui trouvent que Lane est plutôt un héros. Les victimes que les jurés chercheront forcément seront peut-être plus du côté de Jack Bishop et de sa pauvre veuve. Oui, tu crois? C'est généralement le cas. Quand ton frère choisissait un juré, il essayait systématiquement de le regarder droit dans les yeux. S'il esquivait, il s'en méfiait. Mais s'il le regardait plein phare... Je viens d'une mission et je veux des preuves. Il le choisissait tout de suite parce qu'il allait l'écouter. Et pourquoi tu choisirais pas le jury? Parce que c'est ton affaire. C'est plus drôle comme ça. Vous pouvez commencer, maître. Bonjour. Comme vous le savez, mon client est accusé de meurtre et de possession illégale d'armes à feu, mais pour l'instant, comme le juge Williams vous le dira, il est présumé innocent. Ça pose un problème à quelqu'un? L'un d'entre vous croit-il qu'il se trouve là parce qu'il est coupable?
Jack Bishop avait lui-même été condamné pour un crime horrible. Estimez-vous que cela retire toute valeur à sa vie, Madame Clarkson? Non. Vous ne dites pas, de toute façon, il ne méritait pas de vivre, tant pis. Non, bien sûr que non. Vous avez mentionné dans le questionnaire que vous avez une fille. Quel âge a-t-elle? Elle aura 11 ans dans un mois. Ah, j'en ai une à peine plus vieille. C'est chouette à cet âge-là, en général. Donc, quand vous regardez l'accusé assis là, et que vous pensez à votre propre fille, est-ce que vous vous dites « je ne serai jamais dans une position comme celle-là » ou plutôt « oh mon Dieu, pourvu que ça ne m'arrive jamais ». Pourvu que ça ne m'arrive jamais. Oui. Est-ce qu'une personne a le droit de défendre sa famille? Monsieur Coleman. C'est plutôt une responsabilité. C'est comme ça que je le vois. En tant que père? Oui, en tant que père. Alors, monsieur Coleman, si un homme agressait votre famille de façon très violente et que vous l'aperceviez deux jours plus tard dans la rue, que feriez-vous? Je suppose que j'appellerais la police. Pour qu'elle fasse son travail, n'est-ce pas? Oui. Oui, d'accord. Admettons que la personne en question soit arrêtée, envoyée en prison et après un certain nombre d'années, soit relâchée. Et vous la voyez, vous la rencontrez à l'arrêt du bus, sortiriez-vous un revolver et l'abattriez-vous parce que vous êtes toujours en colère? Je pourrais en avoir envie, mais... Oui, mais le feriez-vous? Non, monsieur. Non, pourquoi? Vous n'appelleriez pas ça « défendre votre famille » Non, j'appellerais ça un meurtre. Ah, un meurtre. Venez revoir Tracy Lane. Non, c'est à vous que je veux parler, à vrai dire. Est-ce que tous les visiteurs doivent signer en entrant? Oui, bien sûr. Y compris les membres de la famille? Oui. Jessie Lane qui habiterait dans le quartier? Non. Non. Alors, je revenais donc de faire mes courses et je me tenais juste à cet endroit-là quand j'ai entendu le premier coup de feu. Je me suis retourné, j'ai regardé et j'ai vu ce type avec un revolver à la main. Juste là. Voyez-vous l'homme en question ici aujourd'hui? Absolument. C'est lui, là. Vous voulez dire l'accusé? Oui. Vous pouvez retourner vous asseoir. Que s'est-il passé ensuite? Ah ben, il s'est remis à tirer, là, pam, 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 ça s'est passé très vite. Et l'autre, là, il s'est écroulé tout de suite sur les marches. Avez-vous vu ce que l'accusé a fait ensuite? Oui, il s'est retourné, il a regardé vers moi, et il s'est assis là, tranquillement, comme s'il avait intention d'aller nulle part. Avait-il l'air sous le coup de violentes émotions quand il a ouvert le feu? L'employé du gaz vient relever mon compteur avec plus d'émotion que ce gars-là entre nous. Il était très calme. Objection, votre honneur. Contentez-vous de répondre à la question. Dites-moi, monsieur Sanders, après avoir vu l'accusé tuer Jack Bishop, l'avez-vous vu également faire autre chose? Oui, en effet. Il a eu une sorte de petit sourire. J'ai terminé. Vous n'êtes pas extra lucide, monsieur Sanders. Ah non, monsieur, je suis un éboueur à la retraite. Et vous n'aviez jamais vu monsieur Lane avant? Non, monsieur. Jamais discuté avec lui? Non, monsieur. Vous ne l'aviez jamais croisé sur la 95e rue? Il habite le quartier, vous auriez pu le voir sur Broadway. Non, je l'avais jamais vu. Bref, vous ne le connaissez pas du tout. Et vous ne savez rien de sa vie, n'est-ce pas? Non. Donc vous ne savez pas ce qui lui trottait dans la tête ce 15 juin 97, n'est-ce pas? Non, je sais pas. Mais bien sûr que non. Et il vous est impossible de savoir ce qu'il pouvait ressentir ce jour-là, j'imagine. Non, j'en sais rien. Non. Et maintenant, monsieur Sanders, pour être tout à fait clair, nous sommes bien d'accord que vous ne connaissiez pas Michael Lane non plus en mars 1990. Non. Donc vous n'avez aucun moyen de savoir ce que l'accusé pouvait ressentir juste après que monsieur Bishop ait violé et sodomisé sa fille Tracy. Non, j'en sais rien. Vous voulez essayer de deviner? Objection. Accordée. Je n'ai plus de questions.
Pérez. J'aimerais vous montrer la pièce à conviction numéro 7 et vous demander si vous la reconnaissez. En effet, c'est le revolver que l'accusé m'a remis ce jour-là. Il était assis sur le trottoir et il a dit qu'il venait de tuer Jack Bishop et il a fait un geste. Vers quoi ? Un homme par terre allongé dans une mare de sang. Qu'avez-vous fait de l'arme ? Je l'ai enregistré, je l'ai envoyé à la balistique pour être analysé. Et quels ont été les résultats obtenus au cours des tests en ce qui concerne les 5 projectiles extraits par le médecin à l'autopsie ? Ils provenaient tous de la même arme. C'est l'arme du crime. Excusez-moi, je cherche quelqu'un. Est-ce que vous savez si Jessie Lane habite par ici ? Oui, juste là. Merci. Elle y est en ce moment ? J'en sais rien. Merci. Voici la pièce à conviction numéro 7. Vous la reconnaissez ? Oh, oui. Je suis certain que c'est le pétard que j'ai vendu à ce type-là. Vous désignez l'accusé ? Oui. Monsieur Mirano, comment en êtes-vous si sûr ? Ah, c'est mon boulot. On apprend très vite à jamais oublier un visage. Quand avez-vous vendu ce revolver à l'accusé ? En juin, je ne sais plus quand. Et qu'est-ce que l'accusé vous a dit quand il a acheté cette arme, monsieur Mirano ? On était chez Flannery, vous savez, sur Columbus. Il a dit qu'il avait un petit problème, qu'il lui fallait un pétard. Vous souvenez-vous de ces mots exacts ? Oui, il m'a dit texto, il me faut une arme et il me la faut tout de suite. Merci. Vous vendez des armes illégalement, n'est-ce pas, monsieur Mirano ? Votre honneur, veuillez demander au témoin de répondre. Le procureur lui a accordé l'immunité pour ses crimes. C'est le moins qu'il puisse faire. Monsieur Mirano, répondez à la question. Bon, d'accord. Oui, c'est mon gagne-pain. Je vends des armes illégales. Et vous avez négocié pour témoigner ici, n'est-ce pas ? Non, pas moi, mon bavard. Oui. Et quel est le marché ? On propose la liberté. On va vous offrir l'acquittement dans une affaire d'armes. J'espère. C'est trop gentil de la part du procureur. Surveillez-vous, maître. Monsieur Lane est enseignant, il est prof d'histoire dans un lycée. Où avait-il entendu parler de vous ? Non, ne me dites pas que vous faites les cours de récré tout de même. Non. Il s'est pointé chez Flannery. Plein de monde connaît mon adresse. On l'avait mis au parfum, c'est le bouche à oreille. Bah, peut-être que ses élèves lui avaient dit. Vous avez prétendu ne jamais oublier un visage. Qu'aviez-vous observé sur celui de l'accusé ? Était-il troublé ? Oui, c'est le mot. Il était troublé. Mais vous avez une excellente mémoire, n'est-ce pas, monsieur Mirano ? Oui, c'est juste. Il était très troublé. Je n'ai plus d'autres questions. Des commentaires, maître Jackson ? Non, votre honneur. Pour l'instant, la partie civile s'en tiendra là. Entrez. Bonjour, messieurs. Je vous présente Jessie Lane. C'est la fille aînée de notre client. Bonjour, je suis Don Preston. Voici mon père, Laurence. Enchanté. Entrez, je vous prie. Félicitations, Boutchou. Merci. J'ai découvert son adresse sur le registre de l'hôpital. Elle rend souvent visite à sa sœur. Vous voulez vous asseoir ? Non, je préfère pas, merci. Oh, dites-leur donc où vous habitez. Ces derniers temps, je suis dans un squat sur l'avenue C. J'ai un groupe de rock qui s'appelle Black Leg. Je pensais pas que vous connaissiez. Non, en effet. Et vous êtes bon ? Je crois, oui. Votre père sait où vous vivez ? Non. A-t-il le moindre contact avec vous ? Pas vraiment. Non, je veux dire, il n'a pas vraiment envie de me voir. Pourquoi ça ? Parce que, après l'incident, mon père a déconnecté. Comment vous traitait-il ? J'étais nulle. Je faisais rien de bien. J'avais 16 ans et du coup, je me suis dit, je m'en fous. De toute façon, j'ai ni père ni mère. Et vous vous êtes enfui ? Je suis allée à Greenwich. Vous connaissiez du monde là-bas ? Tu parles. Avez-vous au moins dit à votre père où vous étiez ? Bien sûr que non, il me haïssait. Pourquoi ? Je sais rien. Je sais rien. Peut-être parce que je voulais pas chialer en permanence sur le sort de ma mère et de Tracy. Je veux dire, tout ce que je voulais, moi, c'était avoir une vie normale. Oh, c'est trop bizarre. J'arrive pas à croire qu'il l'ait fait. Depuis le temps qu'il disait qu'il allait le faire. Il l'a fait.
voulez dire qu'il parlait de tuer Jack Bishop? En gros, il parlait que de ça. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Ça remonte à 3 ans, je dirais. Je l'avais appelé pour son anniversaire. Je lui ai dit « Bon anniversaire, papa ». Mais il a raccroché. Bonjour, monsieur Preston. Qu'est-ce qu'il y a? On ne vous a rien dit. Salut, papa. Comment osez-vous l'amener ici? Elle ne fait plus partie de ma vie. Elle n'a rien à voir là-dedans. Si, justement. Non, ça, c'est faux. Tu m'as poussé à partir, papa. Elle s'est enfuie de la maison. Alors, Jess, ton groupe de rock a bu la tasse. Tu vois, j'en sais un peu plus que tu ne le crois. Et toi, tu en sais nettement moins. Comment t'as pu appuyer sur la détente? Est-il possible que tu ne te souviennes plus du tout de ta sœur? Que tu aies pu oublier son petit visage? Elle était tellement heureuse à chaque seconde de la journée. Oui, je m'en souviens très bien. Et toi, tu étais sa grande sœur. Et elle te vénérait. Je sais. Non, tu ne sais rien. Regarde-toi un peu, tu es une véritable épave. Moi, je la trouve très bien. Tu essaies de te cacher avec tes cheveux gras, ton maquillage, ton anneau, là. Elle peut rien comprendre, regardez-la. Si tu te regardais un peu, toi aussi, regarde ce que t'as fait. C'est toi qui as déconné, pas moi. Je veux dire, c'est toi qui as abandonné Tracy dans un hôpital et moi dans la rue, je te signale. Tu arrives même pas à voir ce qui est juste sous ton nez. J'ai fait la seule chose à faire. Non, c'était pas la seule chose à faire, figure-toi. Bon, allez, fiche camp. Je ne veux pas te voir ici. Oublie que j'existe. Je veux pas, parce que je veux pas oublier. Je veux plus m'enfuir. C'est terminé, je veux plus. Alors c'est moi qui m'en vais. Gardien, ouvrez la grille. Ça n'a pas été un franc succès. Je pense qu'on devrait appeler Jessica à la barre. Tu plaisantes? En quoi ça pourrait nous aider? Elle témoignera pour son père. Mais c'est à cause de lui qu'elle s'est enfuie. Aucune importance. Il faut que le jury voie Lane en tant que père et en tant que victime. Oui, mais ils sauront qu'elle essaie uniquement de le sauver. Et Jackson sautera sur l'occasion pour lui faire admettre à quel point son cher père rêvait de massacrer Bishop. Crois-moi, le jury va l'adorer. Maître Preston? Votre honneur, la défense appelle Jessica Lane à la barre. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je ne veux pas qu'elle témoigne, pas ma fille. Calmez-vous. Vous m'entendez? Y a-t-il un problème, maître Preston? Non, votre honneur. Moi, j'en ai un, votre honneur. Jessica Lane n'apparaît pas sur la liste des témoins. Nous avons seulement retrouvé sa trace hier, votre honneur. J'aimerais beaucoup en avoir la preuve formelle. Si vous avez une objection à faire sur un point précis, maître Jackson, faites-la. Alors, reprenons. Vous auriez dû me dire que vous alliez faire ça. Monsieur Lane. Je ne veux pas voir ma fille à la barre. Ça, c'est mon problème, pas le sien. Mademoiselle Lane, pouvez-vous nous décrire votre père? Quel genre d'homme était-il avant le 14 mars 1990? 90, objection, votre honneur, aucun rapport. C'est nécessaire pour comprendre l'accusé. Rejeté. Vous pouvez répondre à la question. C'était un père génial. Je veux dire, son univers, c'était ma sœur et moi. Tout ce qu'il voulait dans la vie, c'était bien élever ses enfants. On l'appelait le dictionnaire ambulant. Il savait tout. Enfin, je veux dire, il était prof de lycée. Et puis... il était sévère avec nous quand on avait des mauvaises notes, mais il était toujours là pour nous aider, toujours. C'était un rock, vous voyez. Je me souviens... Il adorait m'entendre chanter. A-t-il changé après le 14 mars 1990? On a tous changé, mais le plus dur, ça a été pour lui. Pour lui et Tracy, il n'avait pas su protéger sa fille. Il devait se sentir inutile. Objection sur ses sentiments. Accordé. Rayez cette remarque. Mademoiselle Lane, veuillez nous dire en quoi son comportement avait changé après le 14 mars 1990. En gros, il dormait plus, il mangeait plus, il lui arrivait de rien avaler pendant des jours à part du café ou de la bière. Ça avait affecté son comportement? D'après vous. C'est à vous que je le demande. Il n'allait plus au lycée, il répondait même plus au téléphone, il ressassait en permanence ce qui était arrivé à Tracy. Vous a-t-il jamais frappé? Non, jamais. Il s'en est pris aux chaises et aux tables une ou deux fois, c'est vrai, mais... Il a tout démoli dans la maison, hein? Oui, mais... Monsieur Preston, essayez de comprendre, ça s'est passé... juste après qu'il l'ait découverte dans la baignoire. Qu'est-ce qu'il avait vu dans la baignoire, mademoiselle Lane? Tracy, il y avait...
Il y avait plein de sang dans l'eau. Et elle venait de s'ouvrir les veines. Vous vous rendez compte ce que ça fait de débarquer et de voir ça, votre fille, votre propre fille qui se tranche comme ça les poignets. Alors qu'est-ce que ça peut faire, franchement, qu'il se saoule ou qu'il soit en colère? Et après que Tracy ait été admise à l'hôpital, les choses se sont améliorées? Non. Non, je veux dire, il ne s'intéressait plus à rien ni à personne. Pas même à vous? Non, encore moins à moi. C'est vrai, il n'en avait rien à cirer. Comment le saviez-vous? Je disparaissais des jours entiers parfois. Quand je revenais à la maison, il ne me demandait même pas où j'étais passée. Pourquoi vous êtes-vous enfuie? Objection! Ça devient ridicule, votre honneur. Fou, mademoiselle, je vous prie de vous taire. Maintenant, Maître Preston, n'ai-je pas rejeté toute ligne de défense psychiatrique? Si, mais je tiens à établir l'état d'esprit de l'accusé. Pas à l'époque du meurtre. Objection accordée. Rayez la dernière remarque. Alors, Maître Preston, avez-vous autre chose à ajouter? Jessie, regardez votre père. Avez-vous eu le moindre contact avec lui après vous être enfui? Non. Mais... Je me dis que peut-être si j'étais restée, il ne l'aurait pas assassiné. Et toutes ces... Votre honneur, le témoin a répondu à la question. Non, votre honneur, laissez-la finir, je vous prie. Allez-y terminer, mademoiselle. Toutes ces choses que j'ai faites, je sais bien que c'était stupide et écœurant, mais c'était parce que j'aurais tellement voulu qu'il me regarde un peu. Parce que pendant toutes ces années, tout ce qu'il y a eu dans son cœur, c'était un désir maladif de vengeance. Et je me disais, quand est-ce qu'il y aura un petit peu de place pour moi aussi? Mais tu ne comprends pas. Si, je t'assure que si. Je comprends. Je te regardais et je voulais que tu saches qu'il y avait une personne au monde qui t'aimait toujours. Et voilà pourquoi je suis venue. Parce que je t'aime, papa. Et crois-moi, tu n'es pas obligé d'être tout seul maintenant. Je n'ai plus de questions. Parlons un peu du 15 juin 1997. Vous n'avez pas vu votre père ce jour-là, n'est-ce pas? Non. L'aviez-vous vu cette semaine-là? Non. L'aviez-vous vu ce mois-là, alors? Non. Quand l'avez-vous vu pour la première fois cette année? Hier matin, je suis allée lui rendre visite à la prison. Donc, vous êtes incapable de nous dire quel était son état d'esprit le 15 juin 1997, le jour où Jack Bishop a été abattu à coups de revolver, n'est-ce pas? Je ne vous suis pas. Je veux dire, vous ne savez pas s'il était émotionnellement troublé ce jour-là ou tout à fait normal, mademoiselle Lane? Non, je ne sais rien. Bien. Votre père haïssait Jack Bishop, c'est exact. Oui. Enfin, il le haïssait tellement même qu'il souhaitait sa mort, n'est-ce pas? Oui. Votre père vous avait-il déjà dit que s'il en avait l'occasion, il tuerait Jack Bishop? Votre père vous avait-il dit qu'il voulait tuer Jack Bishop, mademoiselle Lane? Mademoiselle Lane? Oui. Vous pouvez aller vous asseoir. Savoir que Mitchell vous a dit qu'un poste allait se libérer au bureau des homicides. Ça vous intéresse? Merci, j'ai déjà un emploi. Oh, je sais, et je sais que vous aimez votre famille. Mais franchement, vous avez l'étoffe d'un grand procureur. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous démenez pour défendre un meurtrier déjà condamné.
vraiment ce que vous voulez faire jusqu'à la fin de votre vie? Alors pensez-y. Mais... Et tu veux que Lane aille témoigner? Mais on peut rien faire d'autre. Il refuse de voir les psychiatres et tous les experts. Plaider la folie est exclu. Comment raconter sa version des faits, sinon? Mais sa version des faits inclut l'assassinat de Jack Bishop. Jesse a créé un courant de sympathie envers lui. S'il va à la barre, il va tout démolir. Toujours est-il que c'est lui qui nous ramènera au premier crime. Ça ne peut pas nous faire de mal, au contraire. La question est de savoir s'il se fera du mal à lui-même. Monsieur Lane, que s'est-il passé le 14 mars 1990 ? Objection, ce n'est pas Jack Bishop que nous jugeons aujourd'hui. Rejetez, attendez le contre-interrogatoire, Maître Jackson. Ce jour-là, Jack Bishop a violé ma fille. Comment le savez-vous? Vous n'étiez pas présent, je suppose. Non, je n'étais pas là. Alors comment savez-vous ce qu'il a fait? Mais nom d'un chien. Il l'a avoué quand il a plaidé coupable. Ici même, dans ce tribunal. Monsieur Lane, veuillez nous dire ce que Monsieur Bishop a avoué avoir fait à votre fille. J'ai là une copie de ses aveux, si votre mémoire vous fait défaut. C'est inutile. Il a dit qu'il avait mis son pénis dans sa bouche, dans son vagin et dans son anus. Et dites-moi exactement pour quel crime M. Bishop a plaidé coupable en fin de compte. Tentative de viol. Tentative de viol. Son avocat avait réussi à négocier une réduction du chef d'inculpation. Le procureur avait peur que Tracy ne tienne pas à la barre. Monsieur Lane, quel âge avait Tracy quand ces événements ont eu lieu? 8 ans. Et dans quelle mesure ce qui s'est passé le 14 mars 1990 l'a affecté? Elle a 15 ans aujourd'hui et elle vit dans un autre monde. Elle a tenté de se suicider 2 fois pour quitter le nôtre. Voilà comment cette histoire l'a affecté. Ça lui a gâché la vie pour toujours. Tout ça à cause de ce mec, Jack Bishop. C'était un monstre. Il ne méritait pas de vivre. Vous ne comprenez rien! Non, vous ne comprenez rien. Il n'a pas seulement détruit la vie de mes 2 filles, il a détruit aussi la mienne. Objection, votre honneur. C'était pas un monstre! Madame, asseyez-vous. Asseyez-vous et veuillez vous taire. Asseyez-vous. Et monsieur Lane, asseyez-vous vous aussi. Sinon je vous condamne pour outrage à la cour. Messieurs, veuillez vous approcher. Votre honneur, c'est scandaleux et sans rapport avec ce procès. Qui juge-t-on ici? Garde tes beaux discours pour le jury. C'est une bonne question, j'aimerais connaître la réponse d'ailleurs. Bon, écoutez-moi. À qui croyez-vous vous adresser? Si vous osez encore me parler sur ce ton, Maître Preston, j'aurai votre tête. Mais votre honneur... Il n'y a pas de mais, sinon votre père devra vous représenter pour outrage à magistrat. Est-ce que c'est clair? Tout ce que mon client a en sa faveur, c'est son calvaire. Il faut le laisser parler, votre honneur. Ne me dites pas ce que je dois faire, Maître. Retournez à votre place. Retournez à votre place. J'ai dit à votre place. L'objection de la partie civile est accordée. Veuillez rayer la dernière remarque de la transcription. Monsieur Lane, où étiez-vous le 14 mars 1990 à approximativement 15 heures? Comme d'habitude, en route pour aller chercher Tracy à l'école. Mais... Mais quoi, monsieur Lane? Je me suis arrêté en chemin. Pourquoi exactement? C'est tellement stupide. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre mon costume bleu chez le teinturier. J'avais un conseil de classe le jour suivant. Il me fallait ce costume. Si je ne le prenais pas tout de suite, il aurait fallu que je retraverse pratiquement toute la ville. Alors, je suis passé le prendre. Et ça m'a mis 5 minutes en retard pour Tracy. Je suis arrivé à l'école juste à temps pour la voir être emmenée en voiture. Et elle pleurait. Elle hurlait « Papa, papa, papa !» Qu'avez-vous fait? J'ai poursuivi la voiture, mais il a réussi à filer. J'ai pas pu le rattraper. Si j'étais venu 5 minutes avant... Un père a le devoir de protéger ses enfants, Monsieur Preston, et j'ai échoué. Mon bébé hurlait, elle était terrorisée, et je ne l'aidais pas. Je ne pouvais penser à rien d'autre. Elle a peur, et cette brute me fait du mal.
Dites-nous ce qui s'est passé en juin 1997 quand vous avez su que Jack Bishop venait de sortir de prison. Je savais pas quoi faire. Jesse était déjà parti, Tracy était à l'hôpital, l'appartement était vide. Chaque pièce, chaque lit. Alors j'ai bu. J'ai bu, Monsieur Preston, pour que ça m'assomme. Et où avez-vous bu? Oh, chez Flannery sur Columbus. Et avez-vous parlé à Frank Mirano ce soir-là? C'est exact. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il avait des armes à vendre. Qu'avez-vous répondu? Non, non! Au début. Mais ce soir-là, j'ai rendu visite à Tracy à l'hôpital. Elle était en isolement. Parce qu'elle avait eu une nouvelle crise. Il l'avait complètement droguée. Son regard était vitreux. Elle était attachée à son lit pour qu'elle n'essaie pas de se tuer. Encore! Ma chère petite fille. Le lendemain, j'ai acheté le revolver. Je vous remercie. Je vais être bref, Monsieur Lane. Avez-vous tué Jack Bishop? Oui, je l'ai tué. Vous n'étiez pas ivre à l'heure du crime, n'est-ce pas? Non, j'étais sobre. Et vous saviez ce que vous faisiez, n'est-ce pas? Clairement. Vous ne vouliez pas le blesser seulement, pas avec 5 balles dans le corps? Non, je voulais le voir crever. Et vous aviez pensé à ce moment depuis très longtemps, Monsieur Lane. En effet. Et vous avez réussi, n'est-ce pas? Je crois. Vous avez réussi, vous l'avez abattu de sang-froid, n'est-ce pas? Oui. De sang-froid. J'ai terminé. Bon, la cour décide de suspendre l'audience. Forcé de dire quoi que ce soit. Montre-lui, Tracy. Vas-y. J'ai écrit ça, c'est pour toi. Lis-lui. Lis-le tout fort. D'accord. Un poème... par Tracy Anna Lane. J'entends parfois les anges chanter et parfois les cloches sonner. Et parfois j'ignore comment me contrôler. Et j'aimerais que ce soit jamais arrivé. Vas-y, termine. Et parfois, je veux mourir. Et parfois, je veux pleurer. Et parfois, je veux voler. Et j'aimerais que ce soit jamais arrivé. C'est pas fini. C'est magnifique. Non, c'est nul. Si, je t'assure. Si, je t'assure. Ça l'est. Jesse pensait que je devais te le donner. Je sais pas. C'est idiot. Non, c'est merveilleusement écrit. J'aimerais que tout ça se...
Mon trésor. Je t'aime tellement, tu sais. Tellement. Tellement fort. Je t'aime grand comme la lune. Je t'aime encore plus. Tu vois une autre solution? Non. Tu as vu le procureur? Non, mais j'ai rendez-vous demain. J'espère qu'on sera prêt à faire un petit effort. Regarde-moi ce jury. La seule chose qu'il se demande, c'est qui appuiera sur le bouton. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. C'est limite. C'est dangereux, mais je veux que Madame Bishop vienne à la barre. Et limite est dangereux, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Jackson objectera. Et pourquoi elle ferait ça? Il croira que ça n'apportera que plus de compassion pour la veuve éplorée. Ce qui est vrai, mais qu'est-ce que ça t'apportera à toi? La passion. MJ a vu le genre de femme que c'est. Et si jamais ça se retourne contre toi, tu te poseras des questions pendant des mois. Tu n'es pas à l'université, je te rappelle, la vie de quelqu'un est en jeu. Monsieur Preston, je veux y assister. Je crois que c'est trop... Attends. Attends, ça fera peut-être pencher la balance chez l'un des jurés. Tu vas t'installer là, juste devant. Et ne dis rien quoi qu'il arrive. Maître Preston, nous vous attendions. Votre honneur, la défense appelle Madame Julie Bishop à la barre. Comment ça? Il n'est pas question que je vienne témoigner pour lui. Vous avez une objection, Maître Jackson? Non, votre honneur. Dans ce cas, Madame Bishop, vous êtes obligée d'obéir. Alors, Madame Bishop, qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Maître Preston, invitez-vous le témoin à faire un discours. Je lui pose seulement une question, votre honneur, et je n'entends aucune objection de la part de mon collègue. Alors, maître Jackson, en avez-vous une? Non, votre honneur. Vous avez parlé. Que vouliez-vous dire, madame Bishop? Je refuse de rester là, à vous regarder crucifier mon époux de cette façon, comme si toute sa vie, ça n'avait été qu'un monstre. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça le perturbait ce qu'il avait fait? Sa vie n'était qu'un long cauchemar après ce qu'il avait subi. Et qu'avait-il subi? Vous croyez qu'il faisait ça pour le plaisir? Il ne pouvait pas s'en empêcher, monsieur Preston, parce qu'on lui avait fait ça lui aussi. Oui, et s'il était vivant aujourd'hui, il voudrait me tuer pour oser le dire. Mais depuis l'âge de 5 ans jusqu'à ce qu'il ait 10 ans, il a été, de façon répétée, violé et molesté par son oncle. Des dizaines et des dizaines de fois. Et ce n'était qu'un enfant. De même que Tracy n'était qu'une enfant. Ça le torturait cruellement. Ça l'obligeait à faire des choses affreuses. D'accord? Donc, ça n'était pas sa faute. Non, je ne dis pas ça. Il a assumé ses responsabilités. Il est allé en prison. Il avait changé. Jack avait changé. Ce n'était plus la même personne? Exactement. Donc, quand votre mari est sorti de prison, vous avez dû être très heureuse, hein? En effet. Vous l'avez ramené jusqu'au seuil de votre maison sur la 95e, c'est ça? C'est exact. Aviez-vous envisagé éventuellement de partir habiter plus loin? Non. Et vous croyez que ça ne poserait pas de problème? J'ai le droit de vivre n'importe où j'en ai envie. Fallait-il que ce soit à 5 pâtés de maison d'où vivait Monsieur Lane? Dans ce quartier, je suis chez moi. Mon fils va à l'école à côté et j'ai des amis qui y vivent. Regardez-le, Madame Bishop, il est juste devant vous. Vous n'avez pas honte, franchement? Pourquoi le devrais-je? Je ne me prostitue pas comme vous êtes en train de le faire. Je veux seulement savoir ce que vous ressentez en étant dans la même pièce, sachant ce que votre mari a fait à sa fille, la condamnant à passer sa vie à errer d'un hôpital à l'autre. Que croyez-vous qu'elle ressente, elle? Objection, votre honneur. Maître Preston témoigne à nouveau. Objection accordée. Si vous avez une question, Maître Preston, posez-la. Madame Bishop, vous aimez votre fils Danny, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et peut-on dire que vous l'aimez énormément? Oui. Vous feriez tout pour lui, n'est-ce pas? Vous le protégeriez, vous le défendriez. C'est mon fils. Mais vous n'avez pas eu l'occasion de le défendre quand Michael Lane a frappé à votre porte. Non, c'est exact.
Croyez-vous que M. Lane défendait sa fille ce jour-là? Non, je ne crois pas. Croyez-vous qu'il la protégeait? Non, je crois qu'il voulait se venger. Vous voulez vous venger aussi, n'est-ce pas? C'est exact. Parce que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ce jour-là. Il n'a pas eu le cran de rentrer dans ma maison. Et j'espère qu'il va avoir ce qu'il mérite. Et c'est quoi, au juste, Madame Bishop? Qu'est-ce que Michael Lane mérite? Il mérite de mourir. Voilà, vous êtes satisfait maintenant? Mais vous pensez à ses filles? Il n'avait qu'à penser à elles avant. Avant quoi? Avant qu'ils viennent devant chez moi avec une arme et qu'ils détruisent ma famille. Et à moi, vous y avez pensé, hein? Il doit mourir! Vous aimeriez sans doute l'électrocuter vous-même. Je veux le voir se vider de son sang, comme Jack là, dehors, sur les marches. Je veux le voir la gueule ouverte et voir ses yeux se révulser. Qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? Voilà ce qui t'a tant fait de fils de fils! Tracy! Est-ce que cette vengeance serait suffisante, Madame Bishop? En effet. Qu'est-ce qu'il y a? Tracy, réponds-moi. Allons, calme-toi. Si j'allais mieux, ce serait jamais arrivé. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de ta faute. Il l'a fait pour moi, il m'aime. Il l'a fait pour moi. Moi. Tout est ma faute. Maître Preston. Où cela finira-t-il? Vous tuez mon fils, je tue le vôtre, vous violez ma fille et je viole la vôtre. Nous savons ce que Michael Lane a fait. Nous avons entendu ce que Madame Bishop a envie de faire. Et c'est odieux, non? Franchement, c'est ça que nous voulons, vivre dans un monde où le sang versé est la seule et unique règle? Il nous arrive tellement souvent dans la vie de ne pas savoir quoi faire. Où est le bien? Où est le mal? Mais juste pour un moment, oubliez tout ça, les avocats, les juges, les objections, oubliez tout ça. Et glissez-vous dans la peau de Michael Lane une seconde. 14 mars 1990, c'est une belle journée. Le soleil brille et vous courez prendre votre fille à l'école, vous êtes un peu en retard. Elle vous demandera sans doute de l'emmener chez le glacier. Il y en a un juste à côté où vous allez souvent. C'est une sorte de rituel entre vous. Vanille fraise, c'est son parfum préféré. Elle vous attend, toujours assise sur le même banc. Elle saute toujours en l'air quand elle vous voit arriver. Mais vous regardez et elle n'est pas là. Et tout à coup, vous entendez un hurlement. Vous vous retournez et vous apercevez un homme la tirant dans une voiture. Elle hurle de plus belle et il claque la portière. La voiture démarre à fond, vous voulez la suivre. Mais vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué par le trafic. En fait, il n'y a rien que vous puissiez faire. Non, rien du tout. Tracy Lane a survécu au viol et à l'agression perpétrée contre elle par Jack Bishop, mais elle ne sera plus jamais la même. Son père Michael voulait obtenir justice. Et qu'est-ce qu'il a eu? Un accord que le bureau du procureur a négocié. Un marché tellement ignoble qu'il permet au violeur de revenir habiter dans le même quartier où il a commis son crime pendant que Tracy et Jesse et Michael Lane purgent toujours leur peine, car ils sont condamnés à vie, eux.
Il faut trouver un moyen d'arrêter le cercle de la violence. Ne voulez-vous pas guérir les plaies? Mettre un terme à cette escalade? Non. C'est loin d'être une affaire facile. Tout n'est pas noir et blanc. Je sais, je sais. Je sais que vous le voyez. Et que vous le ressentez tout comme moi. Maintenant, si vous le voulez, vous pouvez punir Michael Lane. Mais quel que soit le châtiment, il ne sera pas pire que ce qui lui a été infligé déjà à lui et à sa famille. Nous ne pourrons jamais soulager cette douleur-là. C'est ça le vrai crime. C'est ça la vraie tragédie. Merci. Eh bien, Maître Preston a totalement tort. Ce procès n'a qu'un but et un but seulement, définir ce qui est arrivé à Jack Bishop dans la 95e rue ce jour-là. Et c'est un meurtre. Oui, c'est noir sur blanc, et il est vrai que c'est horrible. Mais la véritable tragédie, c'est ce qui arrivera à notre société si un crime pareil n'est pas châtié. C'est notre civilisation, la façon dont nous tous vivons, qui est jugée aujourd'hui. Et vous, mesdames et messieurs, chacun de vous ici présent est dans la position unique de pouvoir envoyer un message. Le message est que nous avons des lois. Et que ces lois ne seront pas enfreintes parce que ces lois sont ce qui nous sépare de la barbarie. Nous avons tous entendu Maître Preston nous parler des faits. Eh bien, les faits sont très simples. Nous avons un témoin oculaire, l'arme du crime. Nous avons les propres aveux de l'accusé, là, noir sur blanc, disant « Oui, c'est exact. Je l'ai tué moi-même. Je l'ai abattu de sang-froid. » Vous l'avez entendu. Inutile de nier. Ce que vous avez vu et entendu ici, et ne vous laissez pas séduire par les attraits de la justice personnelle, car ce n'est pas la vraie justice. C'est une tragédie, ce que la famille Lane a enduré, mais ça n'excuse en aucun cas le meurtre. Ça ne justifie pas le meurtre. Michael Lane ne mérite pas votre compassion. Il mérite d'être puni pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Il a été trouvé un homme dans la 95e rue. Il a sorti une arme et il a tué cet homme à coups de revolver. Voilà ce qu'il a fait. Et c'est vous, mesdames et messieurs les jurés, vous qui allez juger tous ces faits à présent, pas le juge Williams, pas Maître Preston et pas moi, vous. Je vous demande de revoir ces faits, je vous demande d'examiner ces faits, et je vous demande de rendre un verdict de culpabilité. Cet homme est coupable de meurtre. Je vous remercie. Quelle heure est-il? 10 minutes de plus que quand tu l'as demandé. S'ils reviennent avant qu'on ait fini notre café, on est mal. Ils reviennent. Est-il prêt à rendre son verdict? Nous n'en avons pas, votre honneur. Y a-t-il un problème? Nous comprenons les faits, votre honneur. Ce qu'il y a, c'est que... Comment pouvons-nous rendre un jugement? Il semblerait, de l'avis général, que d'arriver à une décision soit impossible. Vous avez pour responsabilité envers cette cour, envers Michael Lane, envers les habitants de New York, et pour être franc, envers vous-même, de rendre un verdict. Soit, je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Essayez encore. Écoutez-vous les uns les autres. Je veux que vous réexaminiez vos propres points de vue. Je vous donne donc l'ordre de poursuivre vos délibérations.
Accusé, veuillez vous lever. Pour le premier chef d'inculpation, possession illégale d'armes à feu, quel est votre verdict? Nous jugeons l'accusé coupable. Pour le deuxième chef d'inculpation, meurtre au second degré, quel est votre verdict? Votre honneur, nous avons délibéré pendant des jours et... Et le verdict est que... Nous sommes totalement bloqués. Voulez-vous dire que vous n'avez pas réussi à prendre une décision sur l'inculpation de meurtre? Votre honneur, nous avons revu la situation des milliers de fois. Mais la vérité, c'est que nous n'arriverons jamais à rendre un verdict unanime sur l'inculpation de meurtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes excusé. Messieurs, rejoignez-moi dans mon bureau et apportez vos calendriers, je vous prie. Je rejoins tout de suite. Tu sais pourquoi il nous convoque, non? Tu devrais laisser tomber. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ne rejugeons pas cette affaire. Mais tu veux en rire ou quoi? Tu as vu à quel point cet homme a souffert? Tu as vu ses filles assises au premier rang? Tu as même vu Madame Bishop à la barre? Ils souffrent tous le martyr. Tu pourrais vraiment leur affliger ça encore? Oui, je pourrais. Bon, d'accord. Parfait. On est prêt. On continuera à juger cette affaire jusqu'au calende grec. On vire ce jury et le suivant, et le suivant. Et peut-être qu'on en trouvera un qui la quittera parce que nous, nous n'abandonnerons jamais. Pourtant, cette affaire est déjà réglée et tu le sais très bien. Et si on parlait de justice, ça ne t'intéresse pas la justice, hein? Ça, c'est la justice. Absoudre un meurtrier? C'est la seule chose à faire. Tu crois? Pour qui? Pour Jack Bishop, près de mort, juste devant chez lui? Ou pour sa femme? J'en doute sincèrement, Lawrence. Glenn ne va pas s'en sortir les doigts dans le nez. Williams le condamnera certainement pour possession d'armes à feu. Toi et moi, nous nous sommes battus toute notre vie. Nous avons été en désaccord total des milliers de fois. Mais aujourd'hui, dans cette affaire, le jury a décidé pour nous. Écoute donc, jury. Au fond de toi-même, tu sais qu'il a raison. Entrez. Bon, je vais remettre à plus tard ma sentence pour la possession d'armes. Quand pourrons-nous nous revoir pour un second procès? Est-ce que ça vous irait en novembre? Novembre? Ça vous donnerait le temps de vous préparer. Non, nous ne serons pas prêts, votre honneur. Nous ne rejugerons pas cette affaire. Je vous demande pardon. Vous avez bien dit ce que je crois avoir entendu, parce que si c'est le cas... Quoi? Que feriez-vous? Vous ne dirigez pas mon bureau. Je suis toujours le procureur général. C'est moi qui décide des dossiers qui doivent être instruits ou non. Vous commettez une grosse erreur. Non, justement. Il trouve qu'on a déjà assez dépensé l'argent du contribuable dans cette affaire. Il a été reconnu coupable de possession d'armes. Condamnez-le là-dessus. Rassurez-vous, je le ferai. Il va la sentir passer. Vous ne voulez donc pas trouver de solution à cette affaire? Que croyez-vous que le jury a fait? Le peuple sait parfois comprendre et mieux régler une situation que les juges et les avocats s'il en a l'occasion. Et on la lui a donnée. C'était ça le véritable procès. Le peuple se fait avoir. Le peuple se fait totalement rouler. Cette situation est déplorable. Ce qui est déplorable, c'est que Lane ait été jugé par ses pairs et que leur décision ne vous plaît pas. Non, c'est exact. Ce n'est qu'un vulgaire compromis. Oui, ils ont trouvé le moyen de résoudre le problème. Et si le reste de la population n'apprécie pas la décision de M. Broderick, c'est son droit et rien ne l'oblige à revoter pour lui. Dieu puisse vous entendre. Peut-être que dans ce cas-là, je trouverai un petit job peinard, comme vous tous. Monsieur Lane, le dossier est clos. Mais l'autre procès? Il n'aura pas lieu. Le juge Williams se prononcera le mois prochain pour le port d'armes prohibé. Et étant donné qu'il est sévère et connaissant ses sentiments dans cette affaire, vous aurez le maximum, qui est de 3 ans et demi à 7 ans. Après ça, vous serez un homme libre.
J'arrive pas à y croire. C'est la vérité, monsieur Lane. Monsieur Preston, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci, monsieur. Merci. Oh. Oh. Oh, Jesus. Tu t'occuperas d'elle? Promis. Oui. Travail, MJ. Je sais que vous étiez un peu débordé cette semaine, mais avez-vous eu le temps de réfléchir à notre conversation? Effectivement, oui, j'y ai réfléchi. Hmm? C'est une opportunité formidable. Mais? Regardez-les. Ils seraient complètement perdus sans moi. Et puis, mon nom est déjà sur la porte. Je vous comprends. Avec Broderick. Oh, rien de spécial. Il y a juste un poste au bureau des homicides avec 10 000 dollars de supplément. Ah ! Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Que c'est une façon malhonnête de négocier une augmentation. Dans ce cas, peut-être que nous devrions nous assurer ces services avec un contrat en béton. Nous ? Et ton boulot de prof à Columbia, alors ? Mais certaines personnes font les deux, tu sais. Formidable. Discutons de ça en déjeunant. Mais c'est toi qui invites. J'ai payé tes études de droit, il faut que je te nourrisse encore. Tu le mérites, hein.